Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans. Je travaille actuellement en tant qu'agent de fabrication. J'étais locataire à l'OPAC 36 et je suis désormais propriétaire à Busancey. La mission de la direction du développement est d'appliquer la politique impulsée par la gouvernance de l'OPAC sur l'aménagement et la construction dans notre département. On s'occupe de gérer les constructions neuves en termes donc de location, mais également gérer les opérations en réhabilitation et des logements en accession à la propriété. Des exemples de projets à quelques pas d'ici, rue Anthony Ratier, donc à Busancey. Nous sommes en train de réaliser 21 logements individuels, 21 logements neufs. Dernier mois, un exemple sur de la réhabilitation, c'était un ancien commerce. Nous sommes en phase d'achèvement, de livraison de 4 nouveaux logements au centre-ville de Busancey. Une maison de santé qui a été réalisée depuis 2 ans et les professionnels de santé ont vraiment l'outil qu'ils espéraient depuis plusieurs années. On ne peut pas travailler sans les collectivités. Nous avons différents projets à court, moyen et long terme qui peuvent aller simplement d'une opération donc de construction jusqu'au réaménagement d'un quartier, d'un centre-bourg. Bonjour, je m'appelle Victor, 24 ans et je suis locataire à l'OPAC depuis 1 an. J'ai de la famille qui est à l'OPAC depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et ils m'ont toujours dit de bons échos dessus, donc à la recherche d'un premier appartement, je voulais faire confiance à l'OPAC pour qu'ils me trouvent un logement. Je suis très satisfait des services, les gardiens sont très réactifs. Et il y a une application mobile qui permet en fait de payer le loyer directement via l'application. Des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et ils proposent des concours régulièrement, c'est assez cool et divertissant. Demain, donc si je devais acheter une maison, je ferais confiance à l'OPAC pour trouver une maison ou un appartement à acheter pour plus tard. Alors pour moi, la vocation première de l'OPAC est donner un toit à tout le monde en maîtrisant bien sûr leur quittance et avoir un parcours résidentiel pour nos locataires pour qu'ils deviennent propriétaires. Le projet dont je suis très fière, ce sont les 3 appartements tremplins qui sont faits pour nos locataires et surtout les femmes qui subissent des violences. Le rôle social de l'OPAC, bien évidemment, c'est avant tout une posture professionnelle. C'est pouvoir accueillir chacun et chacune, chaque demande, de façon équitable et sans discrimination. L'enjeu, c'est bien évidemment de pouvoir faire cohabiter tout le monde et faire en sorte que chacun trouve sa place dans ces quartiers d'habitat social notamment. La qualité de service, c'est le fil rouge qui nous guide depuis des décennies. Aujourd'hui, elle se traduit par une charte qualité autour de 8 engagements. Un des engagements est la prise en charge du maintien à domicile avec le label Habitat Senior Service. Le social, c'est l'affaire de tous. Il y a 4 conseillères sociales qui peuvent intervenir pour proposer des solutions aux familles qui en ont plus besoin. L'OPAC gère 9100 logements sur l'ensemble du département, constitué de logements individuels, logements collectifs, quelques résidences anciennes également que nous avons rénovées et que nous louons aujourd'hui. L'OPAC de l'Indre est un des derniers bailleurs en France à disposer d'une régie d'entretien. Nous avons 17 collaborateurs qui interviennent sur l'ensemble de notre patrimoine, principalement des menuisiers, des plombiers, des électriciens, qui donc font des travaux associés au mouvement de locataires. Et puis l'entretien permanent et annuel des robinetteries et de la ventilation qui nous assure aujourd'hui une performance très intéressante en regard de l'externalisation.
Le PAC 36 est très engagé dans le développement durable et la maîtrise de l'énergie depuis des années, en allant vers la biomasse, avec deux chaufferies sur notre patrimoine, des capteurs solaires comme vous en avez derrière moi sur le site d'Argenton, en utilisant la géothermie aussi. On va viser systématiquement une performance importante en termes énergétiques de nos patrimoines. On va essayer d'abaisser la facture pour l'attractivité de nos logements. L'OPAC, c'est l'organisme de référence au niveau du logement social dans le département de l'Indre. C'est 100 ans au service des locataires, 100 ans à donner un toit à des gens qui n'en ont pas. C'est la qualité de service, c'est l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, et puis la maîtrise de la quittance. Ça, c'est un vrai enjeu. Maîtriser la quittance, c'est aussi donner du pouvoir d'achat à nos locataires. Notre tutelle, c'est le conseil départemental. Nous sommes sur l'ensemble du département, avec nos 9500 logements. Ça veut dire 18 000 personnes logées. La loi Elan, aujourd'hui, donne aux bailleurs sociaux la possibilité de faire de nouvelles activités. Et être sur le site des 100 000 chemises, au-delà de la symbolique que ça représente, hein, c'est aussi de montrer ce que nous pouvons faire. De la réhabilitation d'un site industriel qu'on transforme en logement avec une maison médicale. En travaillant sur des sites comme les 100 000, eh bien on fait de l'adaptation, de la maîtrise de quittance, du développement durable. L'OPAC 36 est au service de ses locataires. Et sur mon projet de vie, ils ont su être à l'écoute et m'accompagner jusqu'au bout. Si je devais trouver un autre logement plus grand ou alors acheter une maison, je ferai davantage confiance à l'OPAC. Notre service au public a traversé le temps et a encore de belles années devant lui. J'ai fêté mes 100 ans, je suis née le 8 août 1921. Là où je m'appelais bien, oui. Eh bien, puis c'est propre quand même, ils ont tout refait. C'est beau. Joyeux anniversaire, l'OPAC.